Il y a longtemps, sur les terres lointaines de la Grèce antique, régna l'âge d'or des dieux tout-puissants et d'extraordinaires héros. Le plus grand et le plus fort de tous ces héros fut le colossal Hercule. Mais quelle est la mesure d'un vrai héros? Ah, c'est ce que notre histoire... Non, mais écoutez-le! On croirait qu'il va nous jouer une de ces tragédies grecques. Relax, mon cœur. On prend les choses en main, d'accord, chérie? Allez-y, les filles. Nous sommes les cinq muses, déesses des arts et proclamatrices de héros. Héros comme Hercule? Avec un super H majuscule. Oh, j'aimerais jouer un air de cornemuse avec lui. L'histoire, en fait, commence bien avant Hercule. Dans la nuit des temps. Au premier jour du monde, le monde était peuplé d'êtres immondes. Ces dégoûtants, répugnants, géants, appelés titans. C'était un vrai guépier. On ne savait plus sur quel pied danser. La terre entière tremblait, s'ouvrait, crachait un feu d'enfer. Wouh, tu chauffes ma vie. En sous la surface, vous croyant d'un éclair. Ça brûle sur ce tonnerre, de ce tonnerre. Volait qui n'est pas sur terre. Faut pas faire fumer de colère, c'est bien Hadès, car il a un dessein démoniaque. Lui, le dieu des enfers, avec les morts et durs et pervers. Il n'est qu'un jeu, blessure et brûlure, ça sert du gospel à pur. Il jette mort à partir, ça sert. Tragique. Zeus mena tous les dieux dans une frénétique recherche. Mais lorsqu'ils retrouvèrent le bébé, il était trop tard. Hercule devint mortel. Mais n'ayant pas bu tout le breuvage, il conserva force et courage par la grâce du ciel. Zeus rappellerait. Ne reviendra jamais, qu'il devrait regarder grandir sans pouvoir le chérir. Malgré ses noirs desserts, Hadès ne put forcer le destin. L'enfant prit fière et belle la lune. Ça, c'est du gospel pur.